ça bonjour internet, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Aujourd'hui on se retrouve en fait tout seul vu que je n'ai aucun ami comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on est sur OpsiFight pour l'épisode 2 de notre Let's Play Faction. Et aujourd'hui les amis, comme vous pouvez voir, on a une nouvelle base. En fait, je me suis fait give cette jolie base par les administrateurs. Lolilol, si vous savez comment j'ai fait pour avoir cette... ce truc-là, dites-le dans les commentaires. Mais ouais, en gros, ça a l'air d'une base give, mais c'est pas give, les amis. Je l'ai appris grâce à mon let's play sur... Avant-fight, je pense que c'était... Bon, la nouvelle base, au moins. Un peu plus cachée, je dirais, un peu plus grande, parce qu'on pourra mettre plus de coffres, se promener ici autour. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai miné aussi beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est toute la pierre renforcée. Je voulais essayer de faire un échange avec quelqu'un pour avoir des trucs, mais bon, ça c'est tout ce que j'ai miné pendant que j'écoutais une vidéo, j'ai miné, puis c'est tout ce que j'ai eu avec deux obsidiennes. Avec les niveaux que j'ai eu, j'ai fait un P3, donc j'ai pris mon kit légendaire qui était P2 partout, et j'ai transformé en full P3, là j'essayais de mettre l'épée, mais ça marche pas. Sinon, l'autre pioche que j'avais, elle est pétée, vu bon j'avais deux kits, voilà, comme ça. Là, j'ai eu aussi un livre comme ça dans un coffre, Fortune 2, qu'on pourrait mettre là-dessus quand on a un peu plus de niveaux. Ça coûte 12 niveaux, j'en ai 8. Là, on a ici, on va faire un allée de trucs, mais on n'a pas de charbon, parce que j'ai pas pris de charbon comme un con. Donc, voilà. Je voulais juste, dans le fond, prendre tout ça. Ça, parce que j'ai vu qu'au shop, on pouvait vendre des trucs. Je sais pas l'ordre des minerais, là, pour être franc avec vous, les gars. Mais ça, je pense, ça, c'est le meilleur. L'obsidienne, ensuite, il y a ça. Ou ça, l'inverse, je sais vraiment pas, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, c'est pas grave, on va aller au spawn. C'est là que j'étais, en fait, j'avais été voir justement comment ça se passait, les trucs là-bas, etc. Puis on va prendre... Oh, on va passer pas eu le temps. Donc c'était... What the fuck? Oh, il y a des coinflips! Nice! On va aller en dessous du spawn, je sais pas comment y aller déjà. Je pense que c'est sur le côté ici, ouais, voilà. J'étais pas sûr. Donc, j'ai aussi vu qu'il y avait des déguisements. Ça a l'air vraiment stylé, j'ai vraiment hâte qu'ils les sortent. Ça a l'air vraiment cool. Regardez, genre plein de déguisements. Par exemple, si on fait ça, regardez, on a un genre de Z sur la tête. Il y a plein de trucs vraiment stylés. Les Youtubers, ils ont ça, donc ils ont genre des... un genre de casque comme ça, qui est quand même stylé, je dois vous admettre. Mais bon, je pense que ça, c'est vu et revu. Donc voilà, mais je pense qu'il y a certains équipements qui doivent être inédits, qui doivent vraiment être stylés. Ensuite, je vais demander, est-ce qu'on devrait ouvrir des clés comme ça? Genre, je sais pas si quelle clé qui est la meilleure, là, mais genre, j'aimerais ça ouvrir des clés. On va demander à... aïe, 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 désolé. À Schwartz, si c'est possible d'en obtenir les clés. Je sais pas c'est quoi le Panthéon, mais moi, c'est ce que je voulais, c'était le shop, l'admin shop. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai vu qu'on pouvait vendre certains trucs. Donc, voilà, les minerais. Donc, on peut vendre... oh, tabarnak! C'est bien fait, ça. OK, puis là, si je refais vendre... aucun article de ce type. Ah, j'en ai pas dans mon inventaire. OK, charbon, diamant. Si on fait ça... ça vend un de nos diamants. Ok, mais nous on veut 10. Donc on met 9 vu qu'on en a plus 9. Diamant, 3$ l'unité. Votre inventaire. What? Noise! Yo, c'est fucking bien fait. What the fuck? La redstone. On en a 37. Si on peut en vendre 37. Ça, c'est combien qu'on en a, je pense. Right? Non, même pas. L'eau là. Votre inventaire, 52. J'en ai 53. Mais ça disait 37. What the fuck? 52. Et puis on va leur vendre un autre, un dernier pour 0,34 cents. Ça, c'est ce qui est le meilleur, j'ai l'impression. Puis ça. Moi, c'est ça que je veux pour avoir une armure full verte. Ensuite, le prix du... on peut pas le vendre? Oh, wow. Ça, j'en ai. Ça aussi, j'en ai. Ça vaut 8$. Ça, on pourrait le vendre. Ça, on pourrait le vendre dans le futur. OK. Le garnet aussi, on pourrait le vendre, vu que c'est quand même fucking bon en monnaie. Ok, donc ça doit être ça, l'ordre des minerais, regardez. Ça doit être Magan, c'est ça, Garnet, Anthesis, Titanium. Je crois que c'est ça, ouais. Ok, cool. On va vendre nos minerais, puis je vous reprends après. Je suis de retour, j'ai pris tous les trucs. Oh, je voulais prendre ça aussi, parce que... je vais essayer de faire un échange avec quelqu'un, j'espère que ça va marcher.
Donc, ok, ici on en a. Oh, on peut pas le vendre, c'est vrai. J'ai pris 5 titanium pour rien. Si on peut le vendre, on en a. Combien qu'on en a? Ouais, on va le vendre, je vais juste checker. J'en ai un autre. Boum, ça ici, votre inventaire, là, ça a l'air bizarre, quoi. Ça, c'est peut-être le taux que mon inventaire coûte. Je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais, 6. J'en ai 6, je crois. J'en ai encore plus. What the fuck? 8. Il devrait dire combien qu'on en a dans notre inventaire, là. Ça serait vraiment plus stylé que. Ok, 16. Que ça. Voilà. Ensuite, on n'a pas d'émeraude. On a du lapis lazuli. Je pense pas que ça se vend. On peut vendre des poissons. No way. Yo! Faudra pêcher. C'est plus avantageux de. Ok. Qu'est-ce qu'on peut l'autre vendre? Aussi, qui rapporte pas mal de thunes. C'est quoi l'item le plus OP à vendre? Oh, attends, on peut vendre. Non, ta gueule. Je pense que j'en ai plus que 200. Yo, ta gueule. Ok, les gars. Je pense que ça, c'est le truc le plus facile à faire. Ah, ok, votre inventaire, c'est le nombre d'argent qu'on a. What? Ok. Là, c'est le prix qu'on a. Il devrait dire votre argent, pas le truc, quoi. Oh là 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 là. Oh, nice. Ok, ça c'est cool. Ensuite, les types de bois. Bon, ça vaut pas de temps. Un bloc d'XP, ça j'en ai miné quelques-uns. Encore là, pas tant. Oh, les underpants, ça vaut cher. Si on arrive à aller dans l'end, s'il y a l'end activé, on peut farmer les underpants. Mais je pense pas que ça doit être activé. Sinon, mais ça serait pas aussi cher. End on. Si oui, là, ça va vraiment être OP, ça. Ouais, c'est ça, je me dis. Vente impossible, les ventes impossibles. Le shop, il est vraiment complet, par exemple, hein, de nos fakes, les gars. C'est vraiment, vraiment. Non. J'ai pas de stuff, gros. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'Another Store. Good. Et la clé. Oh, non! Oh, non! Oh, non! Tout l'argent que j'ai, les amis. Ok, c'est bon, je vais me suicider. Adieu. Yo, les gars, so, je suis sur. Encore un petit fight dans le fond. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un genre d'événement organisé par un animateur. Wow, je sais pas trop ce qui s'est passé là, tu vois. Non. La flemme. Donc, en gros, genre, le gars, à ce que j'ai compris, en gros, c'est un event fake. Genre, les feuilles vont tomber, puis nous, faut qu'on survive. Il y a genre de la lave en dessous. La lave va nous tuer, ou quelque chose dans ce style-là. Et puis, puis voilà, faut espérer gagner, les amis. Donc, c'est quand même stylé qu'ils fassent des événements comme ça. J'ai aussi une technique. Ah non, ils ont mis les blocs là. J'allais dire, sinon, on aurait une technique, on peut rester sur le bord ici comme ça. Mais bon, voilà quoi. Use bug égale ban 7 jours. Ah, dommage, j'avais déjà prévu use bug. Donc, on peut use bug Minecraft. Donc, comme ça, on pourrait use bug notre Minecraft. Mais. Ça serait pas legit. On attend juste que l'événement. The fuck? Comment il est venu comme ça, lui? What? Ok, ça dit fermeture des portes dans 10 minutes. Donc là, les portes sont fermées. C'est-tu un event? C'est-tu un serveur genre, automatique ou c'est lui qui va cut le truc? Ça serait vraiment chill que ça soit automatique, genre. Fuck, man. En plus, c'est possible. C'est vraiment possible en plus. Lorsque l'event débutera, l'effet commencera à disparaître. Ouais, je pense que c'est un event automatique. Ok, man. Je suis les trois premiers à tomber dans le vide. Ok. Let's go, les boys. On est capable. On est capable. On est capable de gagner. Ou peut-être pas. Qui sait? Non. Oh là là. Départ dans 5, 4, 3, 2. Je pense que c'est automatique. 1. Et c'est parti, mon kiki. Wouhou! Oh, il y a un bloc là. Ah, ça a pas commencé. Lol. RIP. XT. MDR. Ah ouais. Ah ouais, ça marche. Je pensais qu'on allait tomber dans la lave, mais ça a l'air que non. C'est assez intéressant comme événement, malgré que là, il n'y a pas beaucoup de gens, fait que ça risque d'être long. Whoop-a-l'ay, whoop-a-l'ay. Oh non, ça va, ça s'enlève assez vite quand même, je trouve pertinemment. Donc,
On pourrait rester still. Je connais une technique dans ce mode de jeu-là. Enfin, dans ce mode d'event-là plutôt. Je connais une technique, mais en gros, regardez, il faut qu'on ait quatre blocs collés. Dans le sens que, regardez, par exemple, ici. Vous voyez, ici, on se met sur la ligne des quatre blocs. S'il y en a un des quatre qui s'en va, genre, tu t'enlèves, genre. Puis, tu tomberas pas. Si un des quatre tombe, toi, tu tomberas pas, vu que le... Ok, toi, t'es vraiment un enculé, hein, de me voler mon bloc, mon calice. Tiens, mon Chris meurt. Qu'en gros, en restant sur les quatre, nous, on va parier sur ces quatre-là, dans le fond, les gars. Un de ces quatre-là, faut qu'il soit le dernier à tomber. Sinon, ben, on meurt, puis on va se suicider, là. Donc, je reprends dès que, ben, il y a du mouvement proche de nous. Oh, il y en a un qui est tombé, les amis. Fait que là, on va se resituer ici, dans le milieu, ici. Voilà, on va se situer justement dans le milieu, juste ici. Oh, pirabidou. Oh, il y en a un qui est mort. Fait que là, il nous reste soit un entre ces deux-là. Ouf. Là, par exemple, on joue avec le feu, les amis. On va se mettre dans le milieu ici. Aïe, 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 les amis. Ça va être pas si facile que ça, je crois. Surtout que là, ça commence à être un peu plus dangereux. Ouh, le jeune homme ici aurait pu tomber, mesdames et messieurs. Ça aurait été assez rigolo. Voyons voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Oh! Ouh! Oh! Il y a un gars qui est mort. On est-tu bientôt dans les finales? Eh, hey, mon calice. T'es sérieux de venir sur mon affaire, là? Grosse merde, va. Ouf, ça commence à être si chaud, les amis. Ça commence à être chaud. Patate, mes copains de l'internet. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, les amis. Mais en se tenant ici, je pense qu'on a plus de chances que de rester là. On verra bien, les amis. Il faut qu'on soit dans les trois derniers, comme ça on va gagner du stuff. Ouf, là c'est chaud, patate, les amis. Il faut parier sur celui-là. Non, attends, on peut. Attends. Ok, on va parier sur ces deux-là. Toujours rester sur deux, je pense, c'est plus safe, les amis. Après ça, si ceux-là, un des deux, ils cassent, on va devoir faire un petit pari, je crois. Je sais pas si on va devoir faire un pari, les gars, mais... Ouf, je pense que pour l'instant, si on reste sur ces deux blocs-là, on devrait être correct pour gagner la partie. Ouh, il reste encore des gens, par exemple. Lui est sur un bloc tout seul. Lui là-bas il est clear. Lui sur deux blocs. Je pense que ça va être lui qui va partir en premier. Parce que nous on a deux chances à moins que les blocs tombent en même temps. Eux ils ont compris un peu ma technique. Enfin, ma technique c'est pas la mienne là. Oh shit. Oh shit. On est sur un bloc maintenant. C'est plus une bonne technique les amis. Faudrait réussir à s'en aller par là-bas. Oh, ce jump-là il est impossible les amis. On va parier sur celui-ci ici en espérant qu'on soit dans les. Oh. Dans le prochain. S'il y en a un d'autre qui tombe avant moi. Et voilà, oui, on est dans les trois derniers, les gars. On est dans le top 3. Oh! C'est moi ou lui. Il y a plus de chances que moi de gagner, par exemple. On va pas se le cacher, les amis. Hop là, on va parier sur celui-là. Ok, let's go, mec. C'est un contre un. Ouf. En espérant que... Ouh. Oh! Ouh! Ah là 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 là. Peut-être que je vais gagner, les amis. Peut-être que je vais gagner. Il reste lui et moi. Ouf. C'est assez traumatique. Je parie sur celui-là, hein. Moi, je vous le dis, celui-là, je pense, c'est le gagnant, les amis. Lui, il préfère sauter. À un moment donné, un va disparaître et il va le regretter, les amis. En espérant que ce soit pas celui ce que je suis qui va tomber en premier. Ce serait vraiment dommage. Allez, 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 allez. Un contre un. Oh! On a tombé les deux en même temps. Qui a gagné? What? Non! J'ai win? C'est qui a gagné? Oh, super! Parce que... Oh, wow! C'était serré, ça, par exemple. Je gagne quoi? Donc, en gros... Enfin, ce que j'ai compris, c'est un peu plate, là. Je pensais que c'était genre cool, on allait gagner quelque chose, etc. Mais... Ça a pas l'air de ça. En gros,
On avait gagné, ouais, c'est ça. L'autre gars, il est un peu énervé parce qu'on avait gagné. Après, moi, je m'en fous, tu sais, c'était cool, pis tout. Mais c'est vrai que c'est dommage pour les joueurs qui sont pas grade VIP ou quoi, qui gagnent rien. Parce que regardez, on a demandé, pour le moment, nous savons pas. Puis là, il dit, on a rien gagné. Puis tout. Fait que là, je pense que si on note tout et on prépare un petit truc pour la récompense, ça sera grave bien. Ok, ben là, notez mon pseudo, j'ai gagné. Merci, au revoir. Oh les gars, regardez, 666, Illuminati confirm, Illuminati confirm folks, Illuminati confirm!